Bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième vidéo de la rubrique Le saviez-vous? Donc je suis Apolline, formatrice Charme d'Orient et aujourd'hui je vais vous montrer le masque blanc miel et gelée royale qui est l'un des produits phares et exclusifs de la marque. Juste avant, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder notre première vidéo qui portait sur le rasoul. Ludivine vous a donné pas mal d'astuces pour pouvoir créer votre shampoing au rasoul donc naturel à la maison, que vous pouvez complètement adapter ensuite en fonction de votre type de cheveux. Donc je vous invite à aller la regarder si toutefois vous l'avez loupé. Pour aujourd'hui, donc le masque blanc miel et gelée royale, saviez-vous qu'on s'est inspiré de la recette originelle de Cléopâtre, donc la plus grande reine de beauté qui nous fait encore beaucoup rêver même maintenant. Donc elle utilisait les minéraux blancs du désert du Sahara, le miel et la gelée royale dans sa préparation. Donc c'est vraiment les trois produits qu'on a repris pour former ce masque-là. Les minéraux blancs, ils vont permettre de purifier la peau, d'apporter de l'éclat et de la reminéraliser. Quant au miel et à la gelée royale, ils vont avoir vraiment de nombreuses vertus. Ils vont être nourrissantes, cicatrisantes, très structurantes aussi au niveau du teint. Et vont aussi avoir une action antioxydante sur les rides et les ridules. Donc ça va être un masque très complet qui est très bien pour les peaux qui ont besoin d'attention, qui ont tendance à être sensibles. Notamment par exemple l'hiver, la peau a tendance à se fragiliser à cause du vent, à cause du froid, du changement de température. La peau se fragilise et le taux d'hydratation baisse. Donc le masque blanc c'est vraiment un très bon allié, ce qui va permettre de redonner du confort et aussi apporter de l'éclat, parce que la peau a tendance aussi à très vite ternir en cette saison. Et à l'inverse, il pourra aussi être très bénéfique l'été, quand la peau a été fragilisée par les rayons du soleil et que le bronzage commence à ternir en fin d'été. Encore une fois, le masque va venir apaiser, restructurer et donner un teint plus doré au bronzage. Donc il peut très bien s'utiliser pour ces deux saisons-là. Donc je vais vous montrer maintenant comment l'appliquer à la maison. Donc c'est très simple. Vous avez juste à prendre une noisette du produit. Donc il demande quand même une légère préparation comme on n'a aucun conservateur et qu'il n'a pas d'eau à l'intérieur. Nous on va venir en rajouter un petit peu. Donc vous pouvez prendre soit de l'eau tiède directement chez vous. Nous, au spa, généralement, on utilise l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger avec, ce que ça permet de rapporter un petit peu plus de vertu au masque. Par exemple, l'eau de rose, elle va avoir une action astringente et tonifiante, et l'eau de fleur d'oranger va permettre aussi de régénérer la peau. Mais avec de l'eau tiède aussi, c'est très bien, parce que comme je vous l'ai dit, le masque a déjà beaucoup d'actifs et beaucoup de vertus à lui-même, donc il se suffit aussi très bien à lui-même. Donc je viens rajouter un petit peu d'eau tiède, je réchauffe la matière à l'intérieur de ma main, vous pouvez vraiment en mettre sur vos deux mains. Et donc une fois que la matière est bien homogène sur vos deux mains, vous avez juste à l'appliquer en formant des lissages donc de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez aussi en mettre au niveau du cou et du décolleté. Et donc ça va permettre de vraiment illuminer et réhydrater la peau. Vous le laissez poser 15 à 20 minutes. Le mieux c'est même de le laisser poser un temps infini. Une heure ça peut être très bien pour que vraiment la peau ait le temps de se gorger de tous les actifs. Vous le rincez ensuite à l'eau claire et vous n'oubliez pas toujours de remettre quand même une bonne crème hydratante ensuite qui va permettre de protéger la peau et notamment sa barrière naturelle d'hydratation qui a besoin d'être protéger, que ce soit le jour ou même la nuit. Donc voilà pour l'utilisation de ce produit. Il donne vraiment un teint perlé à la peau qui est très intéressant, qui permet d'aborder le printemps en toute fraîcheur. Donc n'hésitez pas à venir l'essayer au spa, ce sera avec plaisir qu'on vous fera une petite animation avec le masque blanc. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la rubrique Le saviez-vous.